peur le matin, j'ai peur le soir, la nuit, j'ai peur dans la journée. J'ai peur de ce qui va suivre, je n'ai jamais autant flippé pour un pays qui est ma patrie. La France que j'aime tant se voir remplir beaucoup d'ennemis. Faut à qui, Édouard Philippe ou Emmanuel Macron, tous ces ministres et députés, tous payés par nos pognons. Simplement à la politique, infiltrée par les francs-maçons, c'est triste à dire, mais la vérité, plus de liberté, plus de religion. Pourquoi faut-il du foot, pour que le peuple se bouge? Pourquoi faut-il toujours qu'on se batte comme des peaux rouges? César l'avait dit, du pain et des jeux, et moi je dis que nous sommes des petits merdeux. La France n'est plus la France, construite par nos ancêtres, et personne ne pense qu'il est temps d'être honnête. Il faut sortir dans les rues, manifester contre le pouvoir, il faut bouger son cul, car c'est notre devoir. Sortez de chez vous, sortons tous ensemble, ne pliez pas le genou, mais que l'État tremble. De moins en moins de liberté, la dictature s'installe, ne restons pas plantés. Allons faire la bataille. Je sais qu'il est dur d'accepter la vérité, munissez-vous d'armure, cherchons la liberté. Le seul moment de liberté où je n'ai que du bonheur, c'est au fond de mon oreiller, au rythme de mon cœur. Et le lever au petit matin est accueilli par l'amertume. On a beau battre des poings, la tristesse est de coutume. On n'a pas le droit de rester assis quand l'avenir est en jeu. On n'a pas le droit de se mentir car vient la guerre à petit feu. J'ai bien envie que la République fume. Il ferait moins de conneries, gouvernement d'amertume. Beaucoup trop penché sur la question de l'argent. Comment toujours gagner sur le dos des pauvres gens? Souvenez-vous que nos parents ont réussi en 68. Ne perdons pas de temps, arrêtons de prendre la fuite. Car si on prive l'État d'argent, on lui enfonce une bonne bite. Tout ce que demandent les pauvres gens seront exaucés plus vite. C'est finirait par dire, pensez à vos enfants. Comme mon vieux ont su agir il y a plus de 50 ans. Je suis né dans la mauvaise époque, mais faut penser à leur avenir. Que tout pays, les camions bloquent, qu'on force l'État à nous obéir.